Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home. On se retrouve pour continuer notre petite aventure. J'ai préparé les escouades pour aller chercher Kayla et le lac. On a l'escouade numéro 2 qui est toujours dans la cambrousse. On a l'escouade numéro 1 qui va aller se battre. C'est une petite mission à 5. Donc j'ai fait une équipe de 6 relativement peu entraînée pour voir. Et on va voir si eux sont suffisamment reposés. On les enverra faire un petit tour au lac. Puisqu'on va rouler un petit peu, c'est parti. Hop là. On démarre. Et on va s'arrêter là, à mi-chemin entre les deux. Et je pense que ça sera peut-être là aussi qu'on attendra le retour des copains, on verra. S'il y a besoin, on pourra se permettre d'avancer un petit peu pour faire baisser la menace. Mais on n'est pas aux pièces. Allez, on a nos petits poils qui sont prêts, on n'a plus beaucoup de ressources pour des améliorations, donc là, une petite mission, ça fera pas de mal. Alors, on a eu une petite montée de niveau, un ingénieur, niveau 4, excellent, il fait quoi? Il conduit, ok. On va directement envoyer les squads de combat, c'est parti, celle au lac aussi, c'est un de fatigue. Ouais, un de fatigue, alors ils sont que 3 parce qu'on a plus que ça. Mais on va les envoyer. Et donc ici, ils ont atteint le point d'intérêt. On va lancer la fouille. C'est parti. Le train s'arrête, oui. Il n'était pas totalement arrêté. Pas de problème. Alors est-ce qu'on a éventuellement des trucs à améliorer? On va acheter un œil. Mais je pense qu'on doit commencer à être pas mal. Après, il y a des succès hein, pour faire toutes les améliorations. Mais c'est pas tout de suite. Tout de suite. Le lieu de travail, ça c'est pour avoir plus d'emplacements pour les médecins. Pareil, le 10% des tâches, c'est pas non plus oufissime. Le wagon d'infanterie ici est plein. Plus de cuisine. De l'endurance, ok, pourquoi pas. Dans le wagon cuisine, on fait quoi? On va leur dire d'arrêter de faire ça. La prochaine, on partira faire du goulash. Il y a un succès pour faire du goulash. On va aller faire un peu de goulash. Je vais regarder un peu les succès là, avant de lancer la partie pour voir. Pas vraiment d'amélioration à faire. Au final, on n'a jamais eu de rats pour récupérer de la nourriture. C'est presque dommage. Et visiblement, c'est la mission qui gagne. Et bah c'est parti. Vos soldats approchent du village par le nord-ouest. C'est le seul chemin possible pour l'atteindre. Les rouges sont partout. La maison du maire se trouve au centre du village. Sur le chemin de la maison, vous apercevez la jetée avec les boîtes contenant les armes. Voilà votre première cible. Grâce aux informations sur les itinéraires des patrouilles des rouges, vos soldats parviennent à atteindre la première maison du village en toute discrétion. Ce ne serait donc pas un piège? Certains de vos soldats semblent nerveux. Si vous y allez, vous serez encerclé par les rouges. C'est votre dernière chance de faire demi-tour. Non, on y va. On y croit, on a confiance. À 200% au moins. C'est censé être une petite mission, on va voir. Si c'est pas le cas, on a quand même de l'équipement et des gens à peu près pertinents pour se battre. Hop là, il nous faut du tissu pour nos tenues avancées. Aby zlikvidoval rudé, kteří obsadili vesnici. Vesnice je na ostrově a rudými se to tam jen hemží. Takže bychom měli zkusit najít bezpečnou cestu. Podíváme se i na Molo. Určitě tam bude nádherná příroda a arzenál zásob rudí. Čekám na rozkazy. Poslouchám. Alors, on a un éclaireur. Podívám se. Pane. Civil. Tak se podíváme, co tam je. Jasná věc. Un civil. Ah non, podívám se. Là c'est de la flotte. Pane, tak se il y a des petits roseaux qui pourraient nous permettre une approche discrète là. Podívám se. Potentiellement. Ah non, tak se podíváme, co tam je. Il y a aussi une tour de guet par là. Est-ce qu'on peut podívám la voir se. On peut pas la voir, mais. Ok, on va essayer de progresser par les jardins du coup.
Rozumím. Visiblement, il n'y a aucun ennemi pour le moment. Ils vont être peut-être de l'autre côté de la jetée. Est-ce qu'on peut les faire passer par derrière? Par là. Non, visiblement, ça c'est un faux trou, ok. Pas de soucis. Non, ça c'est pareil, ça va être un faux trou. Ok, il y a de l'ennemi là. Attention, il regarde vers nous en plus. On l'a pas détecté quand on a fait notre notre petite session éclairage. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Ok, il patrouille pas visiblement, il protège la, il protège l'avancée. Ok, dommage du coup. Ah si, il s'en va. Excellent, il s'en va, on va progresser jusqu'ici du coup. Là, il y a un petit peu de loot, les trucs à exploser. Voyons voir. On va prendre toi. Tu vas aller jusqu'ici. Ok, commence à y avoir du monde. Alors, la tour de guet est là. À quoi ça ressemble? Elle est libre, très bien. Deux gardes. Ah, lui, il surveille la zone où il y a l'autre. Donc, si on veut se le faire, ça va pas être si facile que ça. Il y a d'autres gardes. Il y en a un là, ok. Qui patrouille à peu près. Bon, c'est du fusilier de milice. Là, c'est un vrai fusilier. Là, c'est un vrai fusilier, ok. Du fusil, des métals, grenade explosive, du carburant. Intéressant quand même. Jetez un œil. Alors lui, si on peut passer la barrière, on pourrait se le faire, mais c'est pas dit. C'est un autre qui venait jusqu'ici. On dirait pas. Ok, on peut dire qu'on envoie lui par derrière, là. C'est notre alcoolique hein, que j'ai embarqué pour qu'il fasse un petit peu d'XP. Mais on va espérer qu'il va pas faire trop de la merde. Toi, tu vois jusqu'où, toi? Ouais, tu vois toute cette zone, hein. Lui il surveille vraiment toute la zone quoi. C'est pas cool. Ça veut dire qu'il faudrait plutôt faire le tour par là. Voir lui, mais ouais c'est ça, il reste dans la vision de son copain. Alors est-ce qu'on peut l'attirer? Genre par ici, c'est pas mal. Non, juste deux secondes. L'autre a pas l'air d'être visible. Est-ce que. Il revient. Ouais, il revient. Donc il va nous voir si on sort de là. Donc on va devoir éventuellement éliminer avec un autre. Parfait, il sort bien de la vision de son copain. Toi, dès qu'il sort, dès qu'il fait demi-tour, on chope-le. Vite, vite, vite. Excellent, juste à temps, parfait. Ano? Když myslíte? Un tour là, c'est dangereux, ça passe. Il m'a vu lui? On dirait qu'il m'a pas vu, ok, je pensais qu'il m'aurait vu. Je vais quand même rentrer un peu dans sa zone. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'il y a vraiment autour, là il y a une barricade, mais a priori pas d'ennemis, là non plus, donc techniquement, si on les tue à l'ancienne, ça devrait se passer. C'est jusque là. Jusque là, il va me voir. Hop. Ah merde, les deux. De mon vue. Ok, ça veut dire qu'on va en profiter. On va se placer par ici. Grouillez-vous.
Rozkazy, pane? To je... Mně se neschováš. Hey. Pane! Ok, děkuju. Ano? Laisse-toi. Hledám kryt. À l'abri. Oblast je čistá. Rozkazy. Excellent. Ano. Poslouchám. Zaujímám pozici. Venez vous mettre un peu à l'abri, un petit loot. Ano? Tac. Alors on n'a pas pris le médecin parce qu'il n'avait pas de dispo, hein, donc faut qu'on fasse un peu gaffe quand même. Hledám kryt. Co se děje? Et toi? Attends, tu vas exploser ces trucs. Ah oui, faut quelques balles quoi. Très bien, et si on pète ça du coup, tu fais quoi? Pas dans les flammes. Doucement, doucement, voilà. Fais le tour. Va nous chercher ça. Refais le tour. T'es tellement une outre à alcool que j'ai pas envie que t'exploses. On a vu un ennemi, mais je pense que ça devait être de l'autre côté là. Hop. Ah merde, non, c'est là. Putain, je l'ai pas vu. Ok, il nous faut des couvertures. Ah non? Schovám se. Ne, to nejde. Ah putain, ils sont hyper nombreux. Připravený. Fumier. Odistiť, zahodiť. Poslouchám. Rozkazy? Toi, t'es tout seul à te battre pour le moment, vas-y, recule. J'ai entendu de reculer sous les balles, mais bon. Připraven. Mně se neschováš. Ouais, non. Musím se někam schovat. Ok, ils font le tour. Toi, demi-tour. La grenade n'a pas été d'une efficacité folle, j'ai l'impression. Venez vous poser par là. Alors, est-ce qu'on a eu les deux autres avec la grenade ou pas? Toi, t'es un peu douillé déjà. D'où ils sont sortis, c'est cool. Okay, visiblement, la grenade a fait le taf. On a eu le mitrailleur et le grenadier, c'est plutôt cool. Vas-y, tire sur ce truc-là. Est-ce que c'est assez pour faire péter ça? Non. Donc, détruire les caisses d'armes, mais j'aurais préféré les piquer. Vous êtes trop près, vous. Reculez. On a revu quelqu'un, je sais pas qui. Reculez, au cas où. Toi, faudrait que tu t'éloignes de là. Ça me stresse quand le truc se met en pause et qu'on voit pas de rouge sur la map. Et ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui nous a vu, mais qu'on... Nous, on l'a apparemment pas repéré. Ok, on va progresser par là. En fufu pour le moment. La quête secondaire est faite déjà, c'est pas si mal. Alors, à quoi ça ressemble ce foutu pont? Est-ce qu'on peut s'approcher? Une mitrailleuse, c'est pas très très bon ça. Il y a un guet quelque part ailleurs peut-être? Ça me paraît pas très concluant. Ok. On va y aller discrètement. Zaujímám pozici. On va se poser par là caché. Et observer un peu la situation. Alors, toi normalement, voilà, t'as profil bas, tu vas pouvoir aller te foutre là-bas, capturer ce truc. Donc les autres surveillent un peu, on ira chercher ce loot plus tard. Ok. Donc, là, il y a une mitrailleuse qui garde le pont. Ça a l'air d'être trop profond pour un guet. Ici.
Non, pas moyen non plus. Là. Ah, là, il y a peut-être moyen, là. Là, il y a peut-être moyen. Il y avait peut-être moyen de passer, là. On va peut-être reculer, du coup. On avait vu du monde par là-bas, là. Ok, c'est des loups. Très bien. Des loups dans le village. Quoi pas, là il y a une zone de sortie. Ok. Et là, que dalle. Très bien. On va reculer du coup. On va envoyer toi chercher ça. Hop. En arrière. En arrière. Ça, c'était un civil. On va voir si on peut utiliser ce guet là. Si ça fonctionne. Alors, on va essayer de rester loin de la rive pour le moment. Celui qui a pris cher là, c'est Bédric. Okay. Posloucham. Postaram se o to. Ici on avait éclairé, il n'y avait a priori personne, mais on va quand même vérifier que le guet est vraiment safe. Donc c'est juste en dehors de la portée de notre petite tour. Mettez-vous plutôt de ce côté-là, vous serez caché. Et là on a quoi d'ailleurs? Quelques fusillés qui patrouillent. Du carburant. Un kit de réparation, ok. Peut-être un truc à réparer. Des clés avec du carburant dedans, un peu de tissu, excellent. Alors, notre éclaireur. Ah, il y a du monde quand même. Il y a du monde. On va observer un peu. C'est du fusilier de milice, un peu partout. Mais niveau couverture, faut qu'on traverse le guet à poil, quoi. Éventuellement quelques trucs là. C'est sorti bien. Non, ok. Classique. Il y a lui qui surveille. C'est quand même plus safe que le côté avec la mitrailleuse, bien sûr. Lui est tourné par là. Il y a une mitrailleuse, cela dit, mais elle n'est pas surveillée. Mais si on déclenche le combat, ça va la déclencher. Et ça veut dire qu'on peut assez aisément se glisser quand même. Déjà, on va prendre position là. Alors, la patrouille, elle n'est pas ressortie. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait demi-tour, attention. On va se glisser dans leur dos. Essayer d'aller jusque-là. Avant qu'ils fassent demi-tour. Excellent. On a repéré d'autres mondes. À quel endroit? Ceux-là, on les connaît. Ah, c'est les loups qui reviennent là-bas. Ok. Pas de soucis. Alors, on a réussi à rentrer, maintenant il faudra aller parler au maire qui est par là. On l'avait vu sur la petite présentation. Ça serait peut-être pas mal si on pouvait se débarrasser d'eux. Genre, on se faufile. Sauvegarde, regardez le placement. Est-ce qu'ils sont cachés, là? Parce qu'ils surveillent l'un l'autre, en vrai. Hein. Là, il y a un autre mec qui arrive ici, qui a une patrouille là. Similaire, je pense, à celle qui nous a attaqué. Ah non, même pas, il y a un officier carrément. Ouh la vache, c'est... Ah oui, c'est la méga patrouille. Heureusement que c'est pas ça qui nous est tombé dessus, quoi. Bon, là, ils vont faire demi-tour. On est tous cachés. Excellent. Alors la mitrailleuse pourra nous permettre de les éliminer, mais vu que lui surveille là, c'est vraiment utile. J'ai envie de m'en débarrasser pour qu'il ne tombe pas dessus dans le dos, en fait. Regardez où va aussi la patrouille d'officiers. Ok, ils font demi-tour dès là. Alors vrai, on pourrait envoyer techniquement... Je vais venir lui là, avec un petit caillou, par ici.
upoutám jeho pozornost. Kto zdesi? Pripravený. On sait par les mitrailleuses. Non, il vient, petit, viens, avant que fasse demi-tour. Après, on court, on chope la mitrailleuse et on les déboîte. Vas-y. Už jdu. Určitě ne. Co se děje? A taky. Sperhodias. Ça en excite d'autres. Ça a l'air calme, mais par contre, la patrouille vient vers nous, là. La patrouille vient vers nous. Přesně tak. Ça donne envie de voir si on peut pas faire une petite embuscade, quand même. Si lui est un petit peu planqué. Enfin, pas planqué, justement. Tu vas sortir de là. Planque-toi là, vas-y. Tous en mode discret, comme ça on lance pas le fight. Et s'ils s'approchent, on démarre la mitrailleuse et on les avoine. On ouvre la grenade s'il faut. Est-ce utile? Je suis pas sûr. On aurait pu mettre une petite mine même pour parfaire. Le problème c'est lui qui est limite un peu trop exposé. La mitrailleuse pouvait tirer jusque là. Hein. On a des endroits où on serait caché, non pas vraiment. Ah, il s'arrête juste à portée. S'il s'arrête à la rigueur, on les laisse partir. Hein. Ok, ils vont par là, c'est encore mieux. Tout arme. Franchement, c'est presque mieux. Vas-y, pivote par là. Enfin, c'est presque mieux. Niveau couverture, c'est pas non plus oufissime, hein, faut avouer. Toi, tu vas aller... ici. Toi, tu vas aller là-haut. Toi, tu vas aller l'accompagner. Toi, t'es un peu blessé, tu vas rester dans le coin. Et toi, tu vas là. Merde. Ok, sortez tous de votre cachette. Tady to půjde. Vas-y, déploie ta mitrailleuse. Počuvam. Hľadám kryt. Poslouchám. Toi, tu peux sniper. Mám ho na mušce. Toi, va falloir que tu lâches ça. Tu recules. Shootez-moi celui-là. Toi, tu peux faire une petite charge par là. Ok. Ah putain, il y a des renforts de l'autre côté. On a fait un peu trop de bruit. Toi, range ta mitrailleuse. Toi, viens par là. Vous, replacez-vous. Putain, on attire vraiment la foule là. Ah non. Zaujímam pozici. Co se děje? Il y a un risque, hein. Chope ça, toi. Rozkazy? Přesně tak. Allez. Je sais qu'il est caché, mais on peut réussir à se le faire là. Poslouchám. Oh, vous voulez pas reculer, vous? Připraven. Ne. C'est quoi le problème? Rozkazy, pane. Je sais pas pourquoi, ils veulent pas bouger. Bon, ok. T'as moyen là?
Merci. Pane. Bon. Musím se někam schovat. Ça y est, ils veulent bien bouger. C'est pas passé aussi bien que je le souhaitais, mais ça s'est passé. La mitrailleuse a fait le taf. On a réussi à éliminer quand même pas mal de monde déjà dans cette petite île. Et en plus, visiblement, on a récupéré une clé. Pour le moment, on va se mettre un peu planqué. On va jeter un œil quand même à coups de jumelles. On dirait que là, ils ont fermé les femmes de la ville ou je ne sais quoi. Jetons un œil. On a dû attirer tous les mecs de la zone, je pense. Il y a eux là qui sont restés épouses. Ah, et ça, ça doit être le maire. Ok, très bien. Fantastique. Toi, va chercher ça. Toi, va chercher ça. Excellent, planque-toi. Là, en gros, avec les clés, on va pouvoir s'infiltrer directement. C'est excellent. Qui nous a vus ? J'ai entendu un cri de quelqu'un qui nous voit, là, mais... A priori, il n'y a personne qui court. Personne qui s'excite. Ça, c'est de l'autre côté. Ok, bon. On a débloqué l'entrée. D'accord que eux, là, ils voient pas à travers la petite barrière. Hein. Par contre, quand on va ouvrir, ouais, faut quand même qu'on fasse un peu gaffe. Pas faire n'importe quoi. Je pense que lui va pas venir vers nous, mais... Ah, on n'a pas cette clé, sérieusement. C'est vrai ça? Ah! Les enfoirés. On n'a pas cette clé. Ok, demi-tour. Ça, c'est très très con ça. Après, s'il reste plus que 3 soldats dans le village, on va faire avec. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on passe par là. On va se planquer là et regarder un peu avec nos jumelles. Ici, c'est assez clean. Ok, on est sur la route. A priori, il n'y a rien. Sur la petite hauteur près de l'église. C'est clean. Tak se podíváme, co tam je. Jasná věc. Là, c'est le bord de map, donc en gros, il reste eux, quoi. Il reste eux. Sachant qu'il y a lui, mais on pourrait le sniper assez aisément. Progressons jusque-là. Ouais, globalement, on a quand même pas mal nettoyé la ville, déjà. Il y a deux loots derrière nous. Non, ils sont devant nous, c'est ça. Ok, c'est un petit peu compliqué de voir, là. Ok, on va se placer par là. Par là plutôt. Donc ici, il y en a un qui regarde vers nous. Un par là-bas. L'autre qui patrouille. La mitrailleuse, mais si on s'approche pas trop, c'est pas un souci. Il y a du monde là, mais c'est les loups. Pas de problème, on est loin. En termes de couverture, on a deux couvertures potables là. Dans la vision du mec. On pourrait arriver de flanc. Pas forcément. Peut-être par là quand même. On peut tenter de voir si on a une quelconque vision. Alors attention. Si vous longez bien le mur, ça le fait. Longez bien le mur, j'ai dit. Ici, je sais pas si notre snipe va avoir la portée. Attendre qu'il se mette ici. Ah, il y a du monde derrière. Le mec tout seul. Il semblerait qu'il soit tout seul.
Il est bien tout seul. Ok. Co se děje? Hledám kryt. Už jdu. Vidím nepřítele. Pas si tout seul que ça, il y a un autre mec ici, mais il est pas loin. Vas-y, chope-le vite avant qu'il fasse demi-tour. Parfait, il fait demi-tour du mauvais côté. Ah non. Excellent. Ça c'est fait. Alors maintenant qu'on est assez proche, à quoi ça ressemble par là? Il y a un mec ici avec un truc à réparer, pourquoi pas. Il a l'air seul. Pane, tak se podíváme, co tam je. Jasná věc. Il y a un petit peu de loot, mais globalement, il a quand même l'air seul. Ah, il vient vers là. Regardez, si ils font le tour comme ça, on va le choquer aussi. Ce sera toujours ça qui ne tombera pas dessus dans le dos. Ici, on est d'accord qu'on n'est pas à portée de la mitrailleuse. Non. Par contre, je pense qu'on n'est pas non plus à portée de quelqu'un, de personne d'autre. Attaquer, montre-moi la... Non, il ne veut pas me montrer. Et toi? Faut que j'enlève les jumelles. Alors, on va traiter lui. Il a fait demi-tour. Chope-le. Avance couvert. Jusque-là. Chope-le. Merci. Tu peux revenir. Rozkazy, pane. Ouah, lâche tes jumelles, replace-toi. Ouais, c'est trop loin. Faudrait qu'on s'approche. Genre là par exemple, mais on sera dans sa vision. On a vu quelqu'un, c'est les loups, pas de soucis avec les loups, on s'inquiète pas pour les loups. Je sens mal qu'il y ait aussi peu de troupes, franchement. Je vais peut-être aller chercher le loot d'abord, du coup. Ça, c'est quoi, ça? Je sais pas. Une petite porte de clôture qu'on peut fermer, pourquoi pas. Vas-y, cours. Pas s'emmerder. Hledam kryt. Et reviens là. Alors du coup, si jamais on voulait ouvrir. Toi tu pourrais couvrir par là, par exemple. Ah non. Allez. Toi si tu veux descendre ici. Faut quand même que tu fasses un sacré tour. Oui, carrément un méga tour en fait. Ok, très bien. Donc attention, lui il voit jusque là. On va aller se poser par là avec toi. Du coup, c'est pas intéressant que tu sois là, toi. Tu serais même limite plus intéressant par là. Viens là. Toi, viens là. Vision. Toi, tu peux venir par là. Alors non, d'ailleurs, toi, change d'idée. On va venir se mettre ici, plutôt. Rozkládám. Připraven. Hey, hey. Qui crie comme ça? Ah, c'est le maire qui crie. C'est vrai qu'on peut aller le voir en vrai, hein, avant de lancer le combat. Allons-y. On va faire le tour. On reste comme ça au cas où il y ait déclenchement d'un truc, mais on peut se bouger. On prend ça, ici, il nous voit pas. Donc, on se fait plaisir. Et on va aller parler au maire pour voir un peu ce qu'il nous propose. Legionáři, moji přátelé vás našli, díky bohu. Rudí chystají něco velkého. Jižní most je zabarikádovaný. Nejspíš na ně nemůžete vyrazit přímo. Běžte radši kolem kostela. Ukryl jsem tam dokumenty o misích rudých. Ať už mají za lubem, co chtějí, budou se bránit, jak to jen půjde. Ale když uspějete, získáme opět svobodu. Oh,
Ok, je laisse pas le loot, ça c'est sûr. Ah non. Donc on va lancer la case. Mě se neschováš, kámo. Oulala, tu fais quoi là? Hledám kryt. Vas-y, reviens, ça va lancer le combat, ça c'est sûr. Ano? D'accord, lui en fait il voyait pas grand chose. Petit bug sur la vision là. Même pas, il faut mieux. Viens plutôt par là. Mám ho na mušce. Tu na pozici! Il est temps de me tirer une balle, cet enfoiré. Dans le dos en plus. Ok, on va pouvoir aller s'occuper du loot. Toi, lâche la mitrailleuse. On va prendre le mec qui a encore plein de vie, tant qu'à faire. Ano. Přesně tak. Merde. Ano. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Fuck. J'avais oublié qu'en mode en mode pas discret, il s'attaquait comme des sacs. C'est pas grave. On va faire un petit peu différemment. Parce que tirer sur une mitrailleuse à découvert, c'est pas le truc le plus malin qu'on pouvait faire, clairement. Ok, on avait sauvegardé juste avant ça. Pas de soucis. Il y avait du coup... Ah oui, j'avais pas parlé encore. Ok. Legionáři, moji přátelé vás našli. Díky bohu. Les documents, mais on a tout géré. Jižní most je zabarikádovaný. Nejspíš na ně nemůžete vyrazit přímo. Běžte radši kolem kostela. Ukryl jsem tam dokumenty o misích Rudých. Ať už mají za lubem, co chtějí, budou se bránit, jak to jen půjde. Ale když uspějete, získáme opět svobodu. Le mitrailleur qui fait quand même excellent bien le taf. Hein. Yann, il est vraiment très très fort. Hein. Alors, on refait la même, mais cette fois, on va te mettre en mode discret. Comme ça, tu vas pas faire de conneries. Hop. Je ramasse le carburant. Faut qu'on prenne le carburant de toute façon. Tac. Le kit de réparation. Ça c'est encore les loups, pas de soucis. Ok, tout le monde. Go. On va progresser par là-bas. Il arrive, tu vas où toi? Même là il est bourré de mec quoi. Ok, on va arrêter l'épisode là, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent la série, ça fait bien plaisir d'ailleurs, j'en profite. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.